Hey, salut à tous, comment ça va, man? Écoutez, moi ça va très bien. Voilà, ça va très très bien. Et bien écoutez, aujourd'hui, vous avez vu dans le titre, je vais faire le crash test de la palette Huda Beauty Mashallah, la Jaguar là. C'était celle qui m'avait tapé dessus, enfin, elle m'avait tapé dans l'œil de ouf. Je me suis dit, j'ai vraiment pensé comme ça en plus. Bref, du coup j'ai sorti la petite veste absolument pas jaguar, hein. Je sais pas si c'est un tigre, un zèbre ou... Si, je crois que c'est un zèbre. Mais les zèbres ils ont pas des... En fait c'est bizarre parce qu'on dirait un pelage de zèbre tout en étant un léopard je crois. Est-ce que c'est le sujet? Non, pas du tout. Allez, du coup j'ai sorti donc alors... Voilà, comme vous pouvez voir, c'est du cuir véritable. Je vais juste la garder pour l'intro et pour le close-up de fin. Entre-temps, c'est ciao! Voilà, donc on va faire ensemble le teint parce que j'ai du coup les nouveautés là de mes hauls, etc. N'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos, là, s'il vous plaît. C'est quoi que je voulais dire déjà? Tout ça pour en venir où? Et c'est parti tout de suite! Ah, je sais pas pourquoi je fais ça, étant donné qu'on va faire le teint ensemble. Bref, voilà, donc je pense qu'on est pas mal. Début du teint. Oh putain. Oh putain! Donc du coup pour préparer ma peau, je vais commencer par le spray donc de chez NYX, le Bear With Me. Il prépare, il fixe et il hydrate. Voilà. Non, ils sont plutôt bons. Ce qui est bien, c'est que l'odeur, elle est légère. J'avais pas précisé, mais avant, j'avais mis mon petit sérum, ma petite crème hydratante et tout. Donc, j'ai mis le sérum Ordinary. Je vais utiliser donc ma pré-base donc, de chez NYX, la Shine Killer. Donc, c'est pareil, j'en avais parlé aussi dans mes vidéos. Donc, moi, j'en mets partout. Hein, j'en mets pas que sur la zone T. Moi, la zone T, c'est mon visage, d'accord? Souvent, j'ai envie de dire, avec ma barbe, finalement, en fait, j'ai que la zone T, en fait. J'en mets aussi et surtout sur le front. PTDR, mes cheveux. Mes cheveux, je sais pas comment ça part, vas-y, je fais des trucs bizarres. Oh, allez, j'ai envie de la couper celle-là, la salope. Oh, on dirait que j'ai des poils de huc sur la gueule, quoi. Vas-y, fais genre. On n'a pas remédié au problème. Allez, c'est bon, je vais laver les mains. Le téléphone. Heureusement, j'ai l'assurance Orange. Orange. Putain, c'est censé être rapide, c'est tout sauf rapide, là. J'ai que des mésaventures. Je suis vraiment un cassos, putain. J'ai voulu ouvrir le truc. Alors j'ai réussi, hein. Mais ça a ripé sur mon doigt. Donc, RIP mon doigt. Ah oui, Trigger Warning, ça a bien ripé. Un petit peu de biceptine et c'est parti. Non, mais j'ai jamais vu un flacon aussi bien protégé. Genre, même derrière, il y a écrit Security Protégation, là. Putain. Du coup, je sais même pas si je l'ai présenté. Donc, j'utilise la ELF Blemish Control Face Primer. En français, c'est base visage zéro défaut. Voilà. Ce qui m'avait intrigué, c'est que c'était vert. Donc, du coup, je me suis dit, ah, ça se trouve, ça va en profiter pour corriger les rougeurs. Je vais voir ça de suite. Spoiler, c'est pas vert. Ah, je suis déçu. On va bien voir. Ok, niveau odeur, ça sent la crème. Rien à signaler. Ok, donc déjà publicité mensongère parce que je suis encore un défaut. Donc il y a toujours un petit fini collant, mais lisse. Je sais pas comment expliquer. Genre, c'est pas juste collant et tu sens que ta peau, elle est un peu granuleuse. Là, c'est vraiment lisse pour le coup, mais un peu collant. Donc bon, c'est pas grave. Donc maintenant, je vais utiliser mon combo de chez Morphe, là. Donc le petit anti-cerne rose pour corriger donc le bleu de mes cernes et l'anti-cerne vert pour corriger mes rougeurs. Franchement, j'avais vu sur les montages et tout, ça avait bien marché quand même. Hein. Je vais en mettre un peu plus quand même. Parce qu'avant, j'étais un peu plus timide. Voilà, par contre, faut en mettre un peu partout, en effet. J'utilise mon Beauty Blender de chez AliExpress, qui est d'ailleurs super bien. J'ai dû le payer 1 €, pas plus. Franchement, je trouve que ça a bien corrigé. Je suis con, j'aurais dû faire un avant-après. Bon, après, voilà, il n'y a pas zéro trace de bleu, mais ça se voit quand même que c'est très atténué. Donc ça, c'est très bien. Donc j'utilise maintenant la verte de chez Morphe, ou Morphe, ou Morphus, tout ce que tu veux. Par contre, ouais, je trouve qu'il n'y en a pas assez qui se prélèvent. Peut-être que c'est pas fait pour que ce soit sur tout le visage aussi. En vrai, pourquoi j'utilise pas celle de Herborian? Justement, une crème vraiment entière qui est faite pour ça, je devrais l'utiliser en vrai. Voilà, j'espère que ça va suffire. Vous voyez, ça m'a bien enlevé les rougeurs quand même. Bon, par contre, j'ai un peu le teint vert. Un tout petit peu. J'ai un sous-ton vert quand même. Du coup, on va appliquer le Keystone Stop de chez NYX. Je pense que je vais mettre, allez, 3 pompes. Pourquoi j'ai mis 3 pompes? Franchement, j'ai que la moitié d'un visage et je mets 3 pompes. Non mais... Oh, gaspillage, gaspillage. Non, en plus, je suis pas le genre de personne qui ait besoin d'énormément de fond de teint.
Voilà, donc déjà, ça m'a bien réchauffé, donc je suis plutôt content, là. Voilà. On a un teint qui est plutôt pas mal. Je sais pas si je vais mettre d'anti-cerne. Je devais acheter le Shape Tape. Oh putain, faut que je le fasse. Putain, j'oublie, mais il faut que je le fasse. J'ai le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Donc en deux teintes, là, comme vous savez peut-être déjà. Et ça ne sert à rien. Franchement, je te jure, ça change rien. Donc franchement, je vais laisser mes cernes comme ça. Tant pis. Et je vais faire le make-up, quoi. Bon, là, non, on va quand même poudrer, hein. Parce que c'est pas la fête du ciel. La fête du ciel. Putain, j'ai jamais aimé les gens qui avaient cette expression. Je trouve ça vraiment... Normalement. En plus, j'ai l'impression en ce moment que je suis entouré de Sagittaires, mais il y a gavé de Sagittaires hein, dans le monde là. Attention, il y a que de la merde dans le monde. Non, regarde, je suis un gros bâtard. Ok, donc maintenant on va passer au plus important, la palette. Donc c'est la palette Wild Obsession Jaguar de chez Huda Beauty. Elle est magnifique. Je sais pas si vous allez voir le changement de motif. Je sais pas si vous voyez là de là. On se retrouve sur une harmonie beige, plutôt marron, noir. Putain, je suis vraiment nul moi pour décrire les palettes, c'est un délire. Bref, tu vois l'Amazonie, mais quand il fait nuit, genre. Non, c'était pas bien expliqué. Bon bref, on se retrouve donc avec 5 fards brillants. Je dis brillants parce que je sais pas la différence entre irisé, métallisé. Enfin si, je la connais, mais de là à la reconnaître dans un pad, non. 4 mats, donc ma foi, on va construire un joli make-up avec ça. Quelque chose d'un peu dark et d'un peu grunge. Voilà, faut quand même que ça me ressemble. Mais avant, toujours pareil, je me mets la petite base P. Louise. Et bien sûr, je vais poudrer ma base avec du fard à paupières beige. Donc du coup, j'utilise le fard à paupières beige de la palette. Hop. Et là, on va pouvoir commencer. Donc, pour le coup, il y a certaines palettes que j'aime, hein, que je trouve trop belles, etc. Mais je sais jamais quoi faire avec. Là, j'ai grave d'inspiration. Je me suis dit, vas-y, on va faire ça, donc je vais m'exécuter. Voilà. Donc j'ai commencé par prendre le M222 de chez Morphe. Et bien entendu, j'ai commencé par la teinte noire. Voilà, moi, je commence toujours par les teintes les plus compliquées. Ah putain, ça fait bizarre d'avoir un noir qui soit pas aussi pigmenté que celui de Jeffree Star. D'habitude, j'utilise toujours le noir de la palette Jeffree Star, là. Le fard s'appelle My Ride's Here. Et il est tellement pigmenté qu'à chaque fois, je me chie dessus quand je le mets. Là, celui-là, il est beaucoup plus simple. Donc, c'est cool. Hop, je fais un petit début de forme avec. Là, je dépose quand même de la matière pour pas qu'il y ait trop de trous. Après, voilà, je sais pas si c'est fait exprès, du coup, que la palette Huda Beauty soit moins pigmentée. Mais du coup, le noir, il est beaucoup plus facile à travailler. Je me sers de mon premier pinceau pour dégrader quand même les côtés. Mais je le trouve trop gros, peut-être. Peut-être que je l'ai pris trop gros, le pinceau. Franchement, je suis un peu nul pour choisir les pinceaux. Je vous avoue, j'ai toujours des pinceaux éclatés. J'ai pas envie de mettre cher dans des pinceaux parce que c'est des pinceaux, quoi. Sauf qu'au final, c'est important, les pinceaux. Voilà, c'est la réflexion de Valentin. Bref, je vais faire un dégradé. Donc, je crois que c'est une teinte de transition, qu'on peut dire. Je sais pas, bon, bref. Je vais faire un petit dégradé avec le gris. Le gris qui est en haut de la palette. Ah ouais. Ah, elle est sympa, sûr. Je reprends du noir parce que j'ai l'impression que le noir, je l'ai mis n'importe comment. Donc je rajoute pas de matière à mon pinceau. Et en fait, je vais travailler le dégradé. Je vais rajouter du noir, après du gris, après du noir, après du gris. Pour que ça se fonde vraiment bien, quoi. Voilà, mon dégradé est donc un peu plus joli. Si je précise pas donc le pinceau, celui que je prends, c'est que le pinceau n'a pas de numéro. Voilà. Voilà, donc mes deux dégradés sont faits. Je vais faire aussi un dégradé comme celui-ci, mais en bas, au ras de cils inférieur, et j'ai envie de faire une marque droite, vous voyez, j'ai envie que ce soit comme ça, tout droit, que ça dépasse un peu des deux côtés, pour faire un truc un peu... Amazonie, sauvage, tribal, voilà. Comme vous pouvez voir, j'y arrive pas. Donc je fais un petit peu une préforme. Je vais prendre quand même un pinceau beaucoup plus fin pour faire le ras de cils vraiment bien. J'essaie de dégrader avec le gris pour voir ce que ça rend. Est-ce que ça fait un effet fumé comme tout le monde là? Ah oui, regardez là. Regardez la fumée là qui est en train de se... Oh, c'est exactement ce que je voulais. Ah, je suis trop refait.
Ah, j'aime bien. Je vais redégrader encore avec le beige cette fois-ci. Ah ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, on a une base là, on est sur de la base. Hein. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, en espérant que ce soit symétrique. Est-ce que ça l'est? Non. Pourquoi ici il est plus bas? Ok, donc là on a de la base. Ok, maintenant on va commencer à tout préciser. Donc j'ai commencé par les paupières du haut avec bien sûr la base Pelouise. On va rentrer dans le vif du sujet, hein. Je vais utiliser cette putain de teinte qui me fait de l'œil depuis que j'ai acheté la palette, enfin même depuis que j'ai voulu la palette, la teinte du milieu, donc l'espèce de lavande brillant avec des reflets, avec des paillettes or là, machin là. Donc je vais prendre un pinceau plat pour l'appliquer. Bon déjà dans le pad, ouh là ça me fait peur parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs qui se prélèvent là. En fait on voit que c'est un petit peu gélifié là, je sais pas comment on appelle ça. Oh, je vais prendre un autre pinceau parce que là... Bah vas-y, je vais faire comme si je faisais comme d'hab, je vais prendre un pinceau classique. Je veux du pigment là, s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Ah oui. Oui. Après, je suis en train de me rendre compte que... Alors, elle est magnifique hein, la teinte, mais vu qu'elle est pas opaque, je pense que c'est fait pour soit qu'il y ait une base en dessous, une base violette, ou soit qu'il y ait un autre phare. Soit il est fait pour que limite il y ait le fard noir en dessous et que ce soit le top coat du fard noir. Et je vais mettre du fard noir et je vais le mettre en top coat. Ah vous voyez, déjà même avec le noir par dessus ça ressort mieux s'il vous plaît. Oh là là, je suis en train d'avoir une autre idée. Par contre je descends pas trop dans mon creux parce que toi-même tu sais je vais mettre une autre couleur pour le creux. Comme ça limite l'espace que je laisse là sur les côtés là ça va être l'espace pour mon eyeliner blanc là. Oh là là. Mais... Et là, on va mettre le top coat de ta mère, là. Oh là là. Oh là là. Je bande déjà le top coat, là. Ah! Ah! Oh là là. Oh là là, regardez-moi ce... Oh! Oh là là! Non. Oh là là, regardez, là, comme ça. Oh là là. Vous voyez, ça rentre trop bien. Non, mais là, c'est pas fini, là. Croyez pas, là. Là, c'est pas fini, là. Tu vas voir. Oh, regardez là, regardez le fumé que je vais faire là, regarde, parce que moi je suis jamais comme ça, moi. Oh, là, regardez le fumé. Oh là là, regardez le fumé. Eh, ah. Mais Valentin, tu as un problème. J'ai envie de pleurer de créativité. Arrête, Valentin, les gens ils vont te défoncer en commentaire, on dirait, mais PTDR, t'as vu toi, punk à chien. Ouais, mais franchement, trouve un punk à chien qui maquille aussi bien. Là, pendant que je maquille, je reçois des notifications de commentaires sur mes vidéos. Et là, j'ai Nelly Kitty, donc une youtubeuse, voilà, une nouvelle youtubeuse, que j'aime beaucoup d'ailleurs, voilà, que j'ai découvert grâce à la chaîne de Ben Alors Théo, qui lui aussi j'aime beaucoup. Ah, c'est le moment pub, ok? C'est le moment pub. Et du coup, ça me fait rire parce que du coup, elle regarde mes vidéos astrologie. D'ailleurs, je laisse y aller, après le make-up par contre. Et je savais que c'était une bélier. J'ai regardé ses vidéos déjà, j'ai vu une vidéo où elle fait les tops, les flops des palettes. Elle a dit que la dernière palette, la palette qu'elle détestait le plus, elle avait pas réussi à s'empêcher, elle avait jeté à la poubelle. Et on apprend dans la vidéo qu'en fait elle a explosé par terre. Je me suis dit, toi là, tu es un bélier, voilà. Si t'es pas vraiment bélier, c'est que tu dois avoir des planètes en bélier, mais je me suis dit, toi t'es une bélier. Et là je viens de voir et c'est une bélier. Là, là, je suis vraiment trop fort, quoi. Non, je rigole. Et d'ailleurs, entre parenthèses, allez checker sa chaîne, là. Même Ben Alors Théo et tout. Franchement, c'est les deux dernières chaînes que j'ai découvertes. Et franchement, ça fait du bien aussi de voir des chaînes de personnes qui commencent. Parce que... Enfin, qui commencent, voilà. Des personnes qui sont pas dans le game. Et franchement, je trouve que leurs contenus sont hyper cool. N'hésitez pas à y aller si vous aimez le make-up, le fail. Oui, parce que c'est ça, en fait, l'intérêt des gens comme moi, là, des amateurs, des gens qui commencent, c'est qu'on a des fails. Mais on a tous une passion, tu vois. On est tous passionnés par le make-up. Rien que ça, tu vois, ça vaut le coup. Et en plus, on a des personnalités. Tu vois, il y a Ben Alors Théo qui a... un vrai humour de Sagittaire, hein. Bref, franchement, si vous voulez vous amuser à voir un petit peu mon genre de contenu, mais bien sûr, en très différent, mais voilà, chacun a son style, n'hésitez pas à y aller. Franchement, je vous mets les deux chaînes en barre d'infos, et là, bam. Non, mais vous voyez, le pro... Oh là là. Un coup de pinceau suffit, wesh. Oh, cette teinte, I'm in love, ouais. J'avais pas les mots, je me suis rendu agro. D'une palette Yoda, la voile de Jaguar.
je me saoule. Et là, le fumet. Le fumet, regardez comme on fume, allez. Oh là là, oh là là, vous voyez le glow là? Oh là là. Oh. Ok, donc là, on n'a pas encore fini, bien entendu. Je vais utiliser, donc je vais faire une troisième teinte juste ici, et j'utilisais un autre aussi qui peut aller hyper bien. J'utilise celui qui est juste à côté d'ailleurs du fard que je viens d'utiliser. Là, c'est un espèce de vert noir, je sais pas, je vais swatcher. Oh. Ah ouais. Ah oui, ah oui, 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 j'ai dit oui, c'est bon, j'y vais, c'est bon. Ah, il m'accélère tout seul. Oh my god. Oh my god. Bon, par contre, attention, peut-être un petit peu trop de paillettes, là, peut-être. Et là, je vais remettre un petit peu de noir pour intensifier ma mère, là. Oh là là, un fumé de barbecue. Voilà, donc là, maintenant, on va pouvoir passer au coin interne. Oh là là, je suis trop émue. Par contre, je sais pas quelle teinte mettre, en fait. J'hésite entre mettre la dorée en haut à droite, hein, ou celle qui est un peu plus rosée en bas à droite. Droite aussi. Non, si, je vais mettre la dorée parce que celle qui est rosée, ça va trop être à côté du... Non, ça va pas me plaire. Oh là là. Oh putain. Cette palette, les gars. Cette palette. C'est rare que je m'extasie autant sur une palette, hein, je vous le dis. En plus, une palette 9 fards. Moi, je suis pas fan des 9 fards parce que moi, j'aime quand il y a plein de fards. Ok, là, le seul truc qui me dérange dans mon make-up actuellement... Bon, bien sûr, j'ai pas fait... Voilà. Mais c'est... Le fumé que je trouve pas assez bien... J'ai l'impression que ça fait trop amateur, quoi. Ça, c'est chiant, ça me gêne. Bon, bref, tant pis, nique sa race. Allez, on va passer à l'eyeliner blanc. Voilà. Donc, j'utilise le Epic Wear de chez NYX, pardon. Ah, je vais pas y arriver. Par contre, j'ai jamais fait de liner graphique. C'est-à-dire que j'ai fait des liners, voilà. Mais des liners, là, des dessins... J'ai essayé une fois et j'ai pas réussi. Excusez-moi si je vous calcule pas, d'accord? Je préfère vous le dire. Déjà, c'est trop épais. C'est quoi? Je vais utiliser un pinceau, vraiment, parce que c'est trop épais. J'utilisais un pinceau, j'ai vraiment pas envie de me foirer, je sais pas si vous voyez. Donc je prends un pinceau eyeliner édition Squid Game, comme vous pouvez voir. Non, je rigole. Oh, putain, je suis grave un raciste. Non, c'est pas... Oh, oh sa mère la... Oh, les paupières tombantes. Non, mais franchement, c'est de la merde, en fait, c'est de la merde. Pourquoi on peut pas se maquiller bien, comme tout le monde, nous? Ok, là, ça me va, on bouge plus. On bouge plus et on sèche. Ah, là, ce bordel. Oh, c'est pas mal, là, comme ça. Ah, j'aime bien, là. Mais alors, je trouve quand même que c'est un peu trop épais. Finalement, ce qui est pas plus mal, c'est que, du coup, quand j'ai la paupière ouverte, eh bien, on le voit quand même. Parce que moi, en général, ma paupière, elle bouffe tout. Mais là, vu qu'il est épais, du coup, on voit, c'est bien. Vous voyez, là, quand je ferme, du coup, on voit quand même. Est-ce que je laisse comme ça, ou sinon, j'ai une autre idée? Vous allez me défoncer. Je le fais en or, plutôt, à la place. Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais le blanc, il vieillit mal. Hein. Il vieillit très mal. Je vais vous montrer plus près. Je sais pas si vous me voyez là, mais il vieillit mal. Donc c'est mort. Je suis de retour. Donc voilà, j'ai essayé de cacher les pots cassés. C'est pas ça. J'ai essayé de réparer les pots cassés. Non, j'ai essayé de... Bon bref, j'ai essayé de faire des trucs pour que ça rentre plutôt pas mal. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Bon, alors, ça rendait toujours mieux dans mes rêves. Voilà, sachez-le, dans ma tête, c'était très très bien. Mais bon, là, je suis pas non plus pas satisfait. Je trouve qu'il n'y a pas assez l'effet waouh, mais après, peut-être parce que c'est parce que je vois ma gueule depuis 3 heures actuellement en train de galérer. On n'a pas fini, hein. Là, on va attaquer les lèvres. Donc, naturellement, je ne peux pas utiliser un autre rouge à lèvres que celui-ci. Je vais utiliser un rouge à lèvres noir, bien entendu. Et je vais même rajouter après du top coat violet dessus, ça va être machala. Si je devais avoir plus de chance d'aller en enfer, à chaque fois que je disais le mot machala, je crois que... Bah non, j'y serai déjà, donc c'est bon, ça va. Donc moi, en rouge à lèvres noir, j'utilise le Jeffree Star, donc liquide. Faut savoir un truc, c'est que j'en ai plus beaucoup. Donc là, je suis en train de chercher de manière forcenée un rouge à lèvres noir. Donc ça se trouve, hein, mais j'ai qu'à racheter celui-là, par exemple. Mais je voulais grave essayer un rouge à lèvres noir raisin, mais qui est bien, tu vois. Ça, c'est compliqué. D'ailleurs, spoiler, je viens d'acheter sur Vinted un rouge à lèvres raisin de chez Guerlain, qui vaut 38 balles. Ah.
Il est noir, pailleté. J'espère qu'il va rendre bien, mais on verra. Je ferai un petit crash test. Alors attends, je mets mon rouge à lèvres de manière incongrue. Non, je regarde. Valentin, ferme ta gueule. Oui, moi je commence toujours par le milieu. Voilà, le milieu. M-I-E-U, le milieu. Donc voilà, le rouge à lèvres est mis, maintenant on va rajouter le petit top coat. Oh là là, je suis ému parce que je sais que ça va rendre hyper bien, putain. Oh là là. Oh là là. Et voilà, oh là là, comment ça rend bien, putain, je kiffe trop. Là, franchement, je suis hyper fier. Je trouve qu'on a bien rattrapé le truc. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas de me dire déjà ce que tu penses du make-up. Voilà, donne-moi toutes tes impressions, je t'écoute. Même si t'aimes pas, hein, tu peux me le dire, y'a pas de souci, tant que tu lis de manière constructive et que tu m'apprends ma vie. Moi, je suis super content d'avoir fait cette vidéo. La palette, là. Bon, par contre, RIP le fard doré que j'ai Duraline. Ça, par contre, le Duraline, ça pardonne pas. Ça pardonne pas du tout. Mais bon, bref, tant pis. La palette Jaguar, ben écoute, est-ce que c'est utile que je donne mon ressenti? Je trouve qu'elle est super bien. Le noir, par contre, il est pas hyper intense, c'est ça que je dois dire. Mais bon, je pense que du coup, c'est beaucoup plus facile à travailler. Les teintes, elles rendent trop bien. Par contre, voilà, faites attention, les teintes brillantes, bon, à part le doré qui a l'air de se suffire à lui-même, elles ont quand même besoin qu'il y ait une base en dessous, qu'il y ait une couleur ou une base Pelouise ou autre, voilà, pour être vraiment bien, parce que comme on a vu, quand j'ai appliqué le violet, oui, on le voyait, le violet, il n'était pas ouf, mais par contre, quand je l'ai mis au-dessus du noir, mais laisse tomber, ça a fait toute la différence. Donc, voilà, je vous conseille ça, c'est une super bonne palette, je vous la conseille, à 8, à la... Voilà, 28,50€, donc 29,50€, je crois. Bref, en dessous de 30 balles, elle vaut son prix. Voilà, moi j'aime pas trop les palettes carrées avec 9 fards. C'est pas trop mon truc parce que pour moi, 9 fards, tu peux pas faire assez de choses. C'est mon avis personnel. Mais franchement, celle-là, elle me faisait de l'œil, je l'ai pris et je regrette archi pas. N'hésite pas à mettre un like ou un commentaire et un commentaire. Pourquoi je dis ou en fait? Tu mets un like si t'as aimé la vidéo. Si tu l'as pas aimé, tu mets un like. Et voilà, tu commentes un commentaire gentil. Voilà. Je vous souhaite donc de passer une superbe journée ou soirée. Je vous dis à plus tard, tout simplement. Bisous.